Salut à tous. Alors comme vous l'avez vu dans le titre, j'ai décidé de faire une vidéo qui change un petit peu, hein, vu que je fais quand même du daily vlog, ça a un petit peu rien à voir. Hier en fait, je suis tombée sur une vidéo qui date je crois de 4 mois, d'il y a 4 mois, sur la chaîne de Luffy, la célèbre youtubeuse, qui rendra César ce qui lui appartient, qui avait au préalable demandé à sa communauté, à ses abonnés, de lui poser des questions d'ordre intime et qu'elle allait un petit peu y répondre. Et en le visionnant, je me suis dit que c'était quand même des questions assez généralistes qui pouvaient concerner et intéresser pas mal de monde. C'est le côté un petit peu fun, un peu sympa. Et je me suis dit que j'allais en fait créer un tag, donc en m'inspirant du questionnaire de Luffy, sur les 30 questions d'ordre intime, sachant qu'il n'y en a pas 30. Avant que je commence cette vidéo, pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, n'hésitez pas donc à me rejoindre, à nous rejoindre, en vous abonnant. Comme je le dis, je fais du daily vlog, je publie très quasiment quotidiennement des vidéos. C'est donc parti pour les 30 questions intimes, je réponds à tout. Première question, tu as des vergetures? Si oui, où? Voilà, on rentre déjà dans le vif du sujet. J'ai très peu de vergetures, j'ai eu la chance parce que c'est souvent suite à une grossesse ou alors quand tu perds du poids ou que tu en prends et qu'il y a des variations comme ça. Suite à ma grossesse, et là c'est assez drôle, c'est que j'avais mis quand même, je m'étais badigeonnée sur le ventre, partout, sur les zones susceptibles de craqueler de la crème. Et j'avais pas mis au niveau de la poitrine, et là, donc là, mais c'est vraiment très léger. Et un petit peu en haut de la fesse, mais c'est vraiment très léger. Donc au niveau des vergetures, on va dire que je m'en suis quand même pas mal sortie. Question 2, as-tu des frères et sœurs? Alors oui, j'ai un frère, j'ai une sœur, j'ai un grand frère qui vit de l'autre côté de l'Atlantique, donc à Saint-Martin, et une petite sœur qui, elle, vit de l'autre côté, à Bali. Et moi, je suis restée en France, bien que Saint-Martin soit français aussi. Question 3, est-ce que tu as déjà embrouillé une abonnée ou un abonné? Alors non. C'est vrai que de temps en temps et de plus en plus, et je trouve ça très cool parce que ça se passe bien, des fois les gens me reconnaissent dans des boutiques, dans des endroits, donc ça reste très sympa, respectueux, tout ça. Mais ça peut effectivement, par moments, c'est dès l'instant où c'est derrière l'écran, c'est caché, qui m'envoie des messages, mais de façon insistante, et si tu réponds pas ce que tu as envie, tu sens que derrière, ils sont pas super aimables, donc à un moment donné, je dis ce que je pense ou alors je bloque, mais c'est le seul moment où il y a eu embrouille. Question 4. Explication d'un de tes tatouages. Alors, cette question ne me concerne pas, je n'ai pas de tatouage, bien qu'à un moment, j'ai eu envie de le faire et j'ai pas dit que je ne le ferai pas. Un petit tatouage derrière les fagots. Question 5. As-tu des allergies? Alors, non, j'ai une allergie. Je suis pas allergique à tout ce qui est acarien, pollen, le truc qui doit être chiant d'ailleurs, mais je suis allergique, c'est très embêtant, au fer. Sachant que, si vous me suivez, vous le savez, je fais très vite des chutes de tension, de l'anémie, parce que je suis un peu carencée, mais je ne tolère pas le fer du tout, que ce soit en gélule ou j'ai essayé tout type de trucs, sauf dans l'alimentation, mais il faudrait vraiment que j'en mange pour que ça fonctionne. C'est amusant. Question 6. À quel âge as-tu tes premières règles? Alors là, on est dans l'intime. Eh bien, figurez-vous que j'en ai pas mal souffert, parce que quand on est ado, on le sait très bien, le regard des autres, la comparaison, il y a toujours une comparaison qui se fait avec les copines et tout. Et moi, je les ai eues très tardivement, même si aujourd'hui, je me dis, c'était plutôt cool en fait, parce que c'est un truc chiant. Je les ai eues, alors, je sais plus, c'était fin de 16 ans à 17, pas loin de 17 ans, donc on va dire presque 17 ans. Je me souviens que même vers les coups de 15 ans, je disais, oui, je les ai, bon. Personne n'allait vérifier, mais c'était chiant. Question 7. À l'école, tu étais quel genre d'élève? Je n'étais pas une élève modèle, loin de là. J'étais pas dans les meilleurs élèves, loin de là aussi. Alors, ce qui est très drôle, c'est que j'étais très bonne élève, voire la première, dans certaines matières. Oui, dans deux matières. En art plastique, donc en dessin, surtout au lycée, j'avais 19, 20, 18, j'étais la première. Et en sport, c'est déjà bien. Tout ce qui était maths, j'aimais pas et je pense que je faisais même pas l'effort d'aimer ou d'essayer de comprendre. Le français, c'était une matière que j'ai vraiment appréciée sur le tard quand il fallait faire des dissertations, ce genre de choses, de réflexion. Et j'étais plutôt vers la fin, enfin plutôt pas mal. Et sinon, niveau comportement,
plutôt honte. Ensuite, comment faire du sport tout en gardant une jolie poitrine? Alors là, je n'ai aucune solution. Parce que forcément, quand tu fais du sport, il y a des mouvements, donc ça peut-être ça s'affaisse. Moi, j'ai pas du tout une poitrine très importante. Mais après, c'est vrai que t'as des fluctuations. Le truc chiant, c'est quand tu commences à faire du sport, à faire des régimes, bah forcément, tu maigris. Et souvent, tu maigris de la poitrine. Donc, comment faire? Je n'en ai aucune idée. Et je pense que ça doit pas être évident, d'ailleurs. Ensuite, penses-tu reprendre un autre animal? En l'occurrence, ce serait un deuxième chat. J'y pense de temps en temps, surtout quand je vois des bébés chats. Mais c'est vrai que Jack, mon chat, est un chat très exclusif. Et j'ai peur que justement, en emmenant un bébé chat, il se sente délaissé, il ne soit pas bien. Et en fait, le point aussi, c'est qu'Eric n'en veut pas. Il m'a dit non, un chat, point barre, on n'en parle pas. Donc c'est non. Combien de relations sérieuses as-tu eues? Eh bien, j'ai eu 2 relations sérieuses. La première avec le... Oh, attention, il y a le soleil qui arrive. Vu que j'ai pas mis d'éclairage, c'est lumière naturelle, il doit y avoir des variations. Donc la première, c'était avec le papa de ma fille. Je suis restée des années avec. Et le deuxième, bah, c'est Eric, qui je suis aujourd'hui. À quel âge as-tu eu ton premier appartement? Seul, en fait. Alors, c'est assez particulier parce que bah, moi, j'étais donc chez ma maman. J'ai rencontré mon premier compagnon. Et en fait, je suis allée vivre assez rapidement chez lui, hein, qui était quand même, il avait 9 ans de plus que moi, ouais, ça, 9-10 ans de plus que moi. Donc, il était professeur, il était enseignant, professeur. Et je suis allée vivre chez lui, donc bah, j'avais pas d'appartement seul, ça s'est fait voilà, très vite. Et bah, en fait, l'appartement que j'ai eu seul, c'était au moment de la séparation avec le papa, donc j'avais 31 ans. Voilà. Ensuite, culotte, tanga, short. Ou string? Alors string, non, parce que je ne supporte pas, je serai toujours en train, enfin je serai parce que j'ai déjà testé à remettre la ficelle, bon, ça me saoule. Culotte, bah forcément, ouais, culotte. Et sinon, short, pas tant que ça, mais par contre, les tangas, je trouve ça très joli, ça fait une jolie ligne, donc on va dire tanga et culotte. Ensuite, à partir de combien de temps as-tu présenté officiellement ton compagnon à tes parents? Ça s'est fait très très vite par la force des choses parce qu'en fait c'était au moment de la séparation de mon premier compagnon, j'étais avec Eric et les choses étaient très 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 compliquées à l'époque donc j'ai pas eu le choix que de leur présenter sans rentrer vraiment dans les détails donc ça s'est fait on va dire un mois, la rencontre un mois après qu'on soit ensemble on va dire officiellement. Avec quel genre de personnalité, caractère, humeur, ça ne passe pas du tout? Clairement, ce sont les personnes, on en a tous rencontré, et c'est juste insupportable, je pense que tout le monde y pense, c'est des personnes qui sont auto-centrées, c'est-à-dire qui vont parler que d'eux. Au moment où toi, tu commences un peu à parler, bien tout de suite, ils vont revenir, ah oui, moi aussi j'ai fait ça, ou alors ouais. Moi aussi, ma fille, mais tu vois, c'est mieux même. Mais ouais, et à aucun moment, c'est toujours eux, c'est toujours mieux, et en fait, ils écoutent même pas ce que tu dis, donc ça, ce n'est même pas possible, next, je peux pas. As-tu déjà essayé la cocaïne ou autre drogue? Alors non, pas de cocaïne, par contre, oui, mauvaise expérience, très mauvaise expérience. J'ai essayé le cannabis, quand je vous dis une très mauvaise expérience, aujourd'hui, j'en ai encore des séquelles d'ordre, pas neurologique, hein, mais d'ordre anxieux. Mais vraiment, c'était pas bon, pas bon, pas bon du tout, donc vous pensez bien que j'ai arrêté du jour au lendemain. Mais c'était très très mauvais. As-tu des croyances, qu'elles soient religieuses, spirituelles, superstitions? Donc, je suis baptisée, j'ai pas fait de communion, mais effectivement, je me considère comme étant catholique. Après, tout ce qui est superstition, mais complètement, j'y suis même un peu trop hein, superstitieuse, ça peut parfois bouffer l'existence. Et tout ce qui est, donc, il demande spirituel, ouais, spirituel, mais à fond, à fond, à fond. Je suis quelqu'un qui écoute beaucoup tout ce qui est petits signes, qui... Ouais, tu fumes. Alors, non. J'ai fumé très longtemps et j'ai commencé jeune, à 15 ans, à l'époque où je vous parlais juste avant de la mauvaise expérience.
Et j'ai fumé beaucoup, beaucoup, beaucoup d'années. Je fumais pas tant que si, bah, à un moment je fumais quand même un paquet, mais vers la fin je fumais 10 cigarettes, 7 cigarettes. Et j'ai arrêté il y a 2 ans. Donc je suis très contente. Après, j'avoue que de temps en temps en soirée, je vais en fumer une comme ça, juste pour le plaisir. C'est même pas vraiment un plaisir parce que j'apprécie plus. Mais j'ai réussi à me détacher du jour au lendemain sans rien. Est-ce que vous vous êtes déjà séparés avec Eric? On est très fusionnel, ça nous arrive bien évidemment de s'engueuler. Si on s'engueulait notamment, c'était surtout famille recomposée. Moi j'ai une fille, lui il avait 4 enfants, donc autant dire que c'était très compliqué. Et les seules fois où vraiment s'engueuler, c'était souvent lié aux enfants. Et se séparer, on va dire que j'ai dû le quitter 5 heures maximum. J'étais bien énervée, mais voilà, c'est tout. Non, non, non. Il n'y a pas eu de séparation entre nous et je touche du bois. Est-ce que vous pétez Eric et tout? Ça va pas. On te voit peu aux soirées YouTube. Pourquoi? Alors ça, c'était vraiment une question liée à la fille. Moi, pourquoi? C'est parce que peut-être la notoriété. Bien que j'ai été invitée, je dis des bêtises, sur Paris notamment. Et bon, ça passait pas au niveau de l'horaire et tout. Parce que si j'y vais en train, j'ai quand même 1 heure. Les soirées, c'est pas encore pour moi. As-tu de bonnes relations avec ta famille? Alors oui, très bien avec ma famille, vraiment en général, mais ma famille est séparée, c'est-à-dire qu'ils ont divorcé, j'étais vraiment jeune, j'avais 2 ans, mais je m'entends bien vraiment des deux côtés et je tiens vraiment à ce que ça reste comme ça. Quel moyen de contraception utilises-tu et pourquoi? Je pense que je vais en étonner plus d'un. J'ai commencé, donc j'ai jamais pris la pilule. Tout vous dire, je l'ai testé pendant 1 mois, je ne voulais pas prendre d'hormones, ça m'a déclenché des migraines parce que je l'ai testé pendant 1 mois et vu que je fumais à l'époque, alors que c'est très con, hein, j'aurais dû me dire bah tu fumes plus, mais donc j'ai préféré ne pas prendre la pilule, donc voilà. Et j'ai pris donc un moyen de contraception après la naissance de ma fille, j'ai pris un stérilet en cuivre, l'horreur. Ça fait extrêmement mal déjà quand on le met, et je vous raconte même pas quand on l'enlève, on a l'impression qu'on nous déchire les entrailles. Alors à l'époque c'était comme ça, peut-être que c'est moins douloureux maintenant. Mais surtout, le stérilet en cuivre, sur moi en tout cas, ça me provoquait des règles hémorragiques. Mais je l'ai quand même gardé pendant des années, des années, des années. C'est pour ça qu'un jour j'ai dit, allez hop, je l'enlève et je n'ai plus de moyen de contraception. Donc on va dire que je fais attention. Est-ce que vous êtes propriétaire de votre maison? Oui, depuis 6 ans. Cette grande maison, ancienne maison, on a fait pas mal de travaux, mais pff, comme c'est de l'ancien, c'est vrai que ça s'abîme vite, vite, vite. D'ailleurs, là, je vais refaire le mur derrière, je vais repeindre le mur, c'est pour ça que j'ai enlevé tout. As-tu déjà eu une relation toxique? Ça aurait pu, mais j'ai fait en sorte que ça s'arrête très vite. C'est une question sur ses ongles et le fait qu'elle fasse elle-même sa pose d'ongles en gel. Donc oui, bon... Moi, j'ai en plus des ongles en gel, mais je le fais en institut depuis peu. Ça coûte cher. Et il faut le refaire tous les 3 semaines, quoi. Limite, là, j'ai attendu 1 mois, c'était une catastrophe. As-tu déjà songé à faire une augmentation mammaire? Oh, oui, c'était même une obsession quand j'étais ado, à 20 ans. Je saoulais tout le monde avec ça. Au final, j'ai appris. Enfin, je pense que on a fait en sorte de me faire prendre conscience que ma poitrine était très bien, et de toute façon, même si dans ma tête ça aurait été comme ça, le fait de passer, de me faire opérer, endormir, c'est pas possible. Penses-tu faire une marque de vêtements, de cosmétiques ou autre? Alors, cette question est très intéressante, même si à mon niveau, vous allez vous dire, oui, non, mais elle a 12 000 abonnés, qu'elle se détende, quoi, mais pas du tout. Effectivement, j'y pense. Ça serait pour moi un aboutissement. Alors après, il faut trouver le bon concept. Et surtout, je n'ai pas envie de faire tout ce que tout le monde fait, c'est-à-dire un bouquin, une marque cosmétique, même si en plus, que c'est même inaccessible de faire des cosmétiques. C'est tout un travail, même les plus grands, la galère et galère. Les fringues, tout ça, non, parce que c'est pas moi. Je suis vraiment en train de réfléchir à un concept. Dites-moi en commentaire si vous avez des idées me concernant. Ça m'intéresse pas mal. Donc voilà, bah, c'est fini pour ces questions. Comme je vous disais au préalable, il n'y en a pas 30. Mais... on est d'accord que c'est plutôt sympa, je trouve, comme question. Tu passes un moment plutôt agréable. Ce que j'ai envie de vous dire, c'est n'hésitez pas à le faire si vous avez apprécié, si vous avez une chaîne, si vous faites des vidéos. Et mettez-moi en commentaire, citez-moi, ça me fera plaisir de voir que vous avez repris mon petit tag. Voilà, bah, je remercie Luffy déjà pour m'avoir inspirée sur sa vidéo également.
Et je vous fais un gros bisou. Je vous dis à très vite, très certainement, pour un prochain vlog. Voilà. Je vous embrasse. Salut.